Ce matin, nous nous rendons au 4e Forum Ecobiz, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur. Véritable carrefour des entreprises et des réseaux de la Côte d'Azur, le Forum Ecobiz accueillera pendant 2 jours 1000 professionnels qui pourront assister à 6 conférences, 11 ateliers thématiques et 2 speed business meetings. Pourquoi une communauté e-commerce dans le 06 ? La croissance du e-commerce aujourd'hui est à 2 chiffres. Il y a peu de secteurs qui ont ce type de résultats. Donc il a semblé évident, important de créer une plateforme collaborative qui puisse réunir ces professionnels-là, donc du département, afin qu'ils puissent échanger sur ce qu'ils vivent au quotidien. C'est à cette occasion que la communauté e-commerce organise un atelier ayant pour thématique le référencement naturel sur les moteurs de recherche. Donc on a vu tout à l'heure qu'avec la commande de site de moi, le nom de domaine, il y avait 694 000 pages référencées. En rajoutant le nom de domaine, juste le nom, on arrive à 1 140 000 pages. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité que vient de rajouter Google pour savoir exactement le nombre de pages qu'il y a sur votre site internet. Eh bien, on essaye de donner des informations, donc, notamment pour tous ceux qui ont un site e-commerce et qui veulent le développer. Donc, le but, c'est de les informer, de leur apprendre des petites choses pour améliorer leur business et toujours être plus rentable. C'était très bien, surtout en tant qu'utilisateur, je dirais, pour donner un petit peu des impressions et une démarche à suivre. J'ai au moins quelques petites indications, et notamment sur Google, qu'on maîtrise mal, car trop riche en outils. Et là, je pense que déjà, par rapport à ce que j'ai entendu aujourd'hui les intervenants, je vais pouvoir rectifier quelques petites choses ce soir. Alors, Ecobiz, c'est une création de la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur, puisque nous l'avons mis en place depuis 4 ans. Le e-commerce, vous le savez, se développe beaucoup. Il se développe également beaucoup sur notre territoire, Côte d'Azur. Et donc, nous accompagnons ces entreprises pour qu'elles puissent précisément être à même de pouvoir s'ouvrir à des marchés au niveau mondial, finalement, même si elles sont localisées dans les Alpes-Maritimes.